Ça ne me convient pas. Donc, on va attaquer la pieuvre. Donc, 7, 1 et 2. Donc, dans tous les cas, je dois faire les deux pour récupérer ma vie. Donc, autant récupérer les pommes, une pomme en tout cas, tout de suite. On vérifie l'anagramme. Oui, ok, je suis toujours en illumination, c'est bon. Bonjour, monsieur Kraken. Lui, il me faisait toujours peur avant. Avec l'illumination, il ne me fait plus peur du tout. Il est très méchant, il est très difficile à jouer. À cause de ça. Chaque fois qu'il met un dé pair là-dedans, et il peut l'utiliser 3 fois par tour, ça augmente d'un point. Donc, s'il joue 3 fois, mettons qu'il ait trois paires dans ses 5 dés là, eh bien, le premier coup, il va me faire un point, puis deux points, et puis 3 points de dégâts. Donc, s'il peut taper 3 points là-dedans, ça me fait 3, 5, 6 points de dégâts, premier tour. Et après, ça continue à monter. Là, vous êtes vite, très, très, très vite mort. Tout ça, le reste, c'est de la foutaise. Ça, c'est dangereux. Donc, il faut absolument, absolument mettre de la tactique sur ce monsieur-là. Dans tous les cas. Parce que ça va trop vite, autrement. Ça va beaucoup trop vite. Et le problème, c'est que quand vous mettez. Oui, ça va, je raconte des bêtises. Il n'y a rien de spécial. Ok, donc j'ai besoin absolument d'un 4. Une stalactite que je vais positionner ici. C'est pas mal pour démarrer. Malheureusement, c'est 5 dés hein, qu'il a. On va mettre un 5 ici et je vais mettre mon 6 là. Et puis mettre mon 5 ici pour directement au moins lui geler un dé. Bon, on va avoir très vite la boule de cristal, hein. Donc on va pouvoir monter très vite nos dés. Il a deux paires. Tac. Et il n'en utilise qu'un. Eh ben, je préfère ça, hein, mon gars. Je préfère être aveuglé. Sincèrement, je préfère être aveuglé. Alors, il me faudrait une deuxième stalactite, le plus vite possible. Maintenant, je ne peux pas savoir ce que j'ai. Un haut des miroirs, c'est pas plus mal non plus pour démarrer. Donc, de toute façon, je dois. Ce qu'on va faire, c'est. Les points, c'est moins important. C'est arriver à geler tous ces dés. Donc, on va vérifier si c'est pas. Donc, c'est 2, 4 ou 6. 2, 4 ou 6. Donc, si j'utilise un 5 ici, je mets celle-là. C'est 2, 4 ou 6. C'est fait. Ensuite, vous savez pas ce que vous avez. Si je mets un. Je crois que si je mets un aveugle, je vais avoir deux aveugles le coup prochain qui vont venir. Faites attention à ça. Si par exemple, vous avez le chaudron. Vous placez votre dé aveugle dans le chaudron, il va vous remettre un dé aveugle, aveuglé. Donc c'est pas toujours évident, hein. Alors, on a donc fait le hall des miroirs. Je ne sais pas ce que c'est ceci. Je vais donc le mettre ici de nouveau. C'est un 2, 4 ou 6. Donc je peux aussi utiliser le 5 pour avoir encore un dé supplémentaire. Je crois que je vais le travailler comme. Attends, hein. Le problème, c'est qu'alors mon illumination là ne doit pas servir. Si je fais ça, 2, 4 ou 6. 2, 4 ou 6. Alors. J'aurai deux as. Non, je vais le mettre là. On va quand même mettre le truc ici. On fait ça. Et puis on va, même si je n'ai pas le 2, je vais quand même lui geler un dé. Allez. Ça, j'ai là un 4, c'est parfait. C'est un pair en, quelque chose de pair en moins. Et le 4, c'est maudit l'ennemi. Donc il va juste me mettre 2 points. Ok. Et j'ai ma boule de cristal. Parfait. Parfait, 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 parfait. Qu'est-ce qu'on va maudire? On a un 4, on peut maudire ceci. Je ne sais pas. On va déjà taper la boule de cristal. Parfait. Alors. Oui, c'est vraiment chiant les dés comme ça qui arrivent. On a une duplication. Ça, c'est très bien aussi la duplication. On est à 4. Je vais prendre un. Et on a un bouclier magique qu'on va placer. Bouclier magique. J'en ai besoin. Pas perdre trop de points. Donc, on va mettre notre bouclier magique ici. On va pas l'utiliser. Ça, c'est moins important. Donc, je vais prendre l'as. Ou le 5. Je
cas, tu te le garderais pour ici. On va utiliser un invisible, là, comme ça. C'est un chiffre pair. Je le mets là. Malédiction, je m'en fous. Maintenant, je suis tranquille. Je peux mettre un 5, le mettre là. Jouer le 4. On peut doubler n'importe quel dé maintenant. On va d'abord mettre un impair ici. C'est pas lequel. C'était un 5, je crois. Parfait. Alors, il faut que j'utilise les trois bidules. Donc, je peux mettre un as là. J'ai une duplication pour deux, qui coûte pas cher donc. Mais j'ai un 5 ici aussi qui m'intéresse. Ah, mais je suis qu'à 3D, quoi. Je suis qu'à 3D. Ce qu'on peut faire, alors on va prendre la duplication, on va la mettre là. Et je vais dupliquer un 5. Le haut des miroirs est toujours là, je ne suis pas obligé de le rappeler. Et je vais me mettre un. J'aurai 2-5 le coup prochain. Je ne sais pas pourquoi j'ai travaillé comme ça. Un as là. Et on va lancer le dé, tout simplement. Je crois que ça va aller. Ça va aller. Oui, c'est un méchant, hein, le Kraken, quand même. Hein. C'est un méchant. Ouh. Heureusement que j'en ai dû en enlever un. 4. Ok, mais le 6 de l'autre côté. Oui, là, on est déjà à 4 points de dégâts. Bon, jusque-là, ça se passe bien. Mais on a des dés, nous autres. On a beaucoup de dés. On a beaucoup de dés. On va commencer à checker. Et on a des 4. On a de la duplication. On a des tas de bons trucs. On a des tas de bons trucs. Le haut du miroir avec celui-ci. Donc c'est 1, 3 ou 5. On va vite savoir si c'est un 5. C'est un 5. Donc on sait que ceci, c'est 5. Hein, puisque c'est 4, 5 ou 6. Non. Donc on a un 5 ici. Est-ce qu'on est maudit? On est maudit. Attention, on est maudit. On est maudit. On est maudit. J'ai beaucoup de 5. J'ai pas, je vois pas de 3. Donc on va. On n'a pas d'illumination, d'autres illuminations disponibles. On va mettre un 4. Ici. Et on va utiliser notre 5. Il prend, bon, il se prend 5 points et il a un gel. Ok. On va réutiliser. Je ne sais pas lequel, la carte, laquelle la carte qui est maudite, tu vois. Je ne sais pas laquelle la carte qui est maudite. Bon, bah c'est peut-être ça, hein. On va voir. 2, 4 ou 6. Donc c'est 1, 3 ou 5. 1, 3 ou 5. Celle-ci, même chose. 1, 3 ou 5. 1, 3 ou 5. Bon. Bon, on va mettre là. C'est pas maudit. Ok. Toujours 1, 3 ou 5 là. On va tout simplement se mettre un paire là. C'est la malédiction, mais tant pis. Tant pis. On a un 7 dés, on a un 6 là, plus ce qu'on va avoir. 1, 3 ou 5. Je vais me mettre un 4 ici. Je vais utiliser un 5. On va regarder 1, 3 ou 5. C'est un 5. C'est un 5. Bah oui. On va le mettre où? Le 5. Là, j'ai la statue, je vais la garder. Là, j'ai le bouclier, je voudrais le garder aussi. Bon, on va le remettre sur le miroir. Voilà. On va pas s'embêter. Je voudrais avoir le coup prochain. On va prendre des as cette fois-ci. On va l'utiliser maintenant. On va mettre le 5 ici. Et on va récupérer un dé. On met un 6. Et on va le prendre. Voilà. End turn. Tout se passe bien.
tout se passe bien. Il tape tout là et il va me maudire. Mais je ne pas de point. Ok, on est maudit. On a un 6. On a un 2 pour dupliquer. Le 3, on sait pas ce que, ici, on ne sait pas ce que c'est. Donc, on va aller voir le haut des miroirs. Il me l'a pris. On va regarder le bouclier, puisqu'on a un 3 pour le remplacer. C'est là qu'on avait le truc. On va se reprendre un 3 qu'on va remettre ici. On assure notre coup. Il me faudrait des. Oui, il faudrait des tas de trucs. Prends le 2. J'aurais dû dupliquer. C'est un peu idiot, ça. C'était idiot de ma part. J'aurais dû dupliquer. C'est pas grave. Le 1 me permettrait de récupérer. J'ai un 4 et un 6. On va faire un 4, un 6, un as, et on veut des 3. Voilà. Voilà. On a 6 de sauvegarde de bouclier. C'est pas mal, vous voyez, parce que ça monte à 5 pour le moment. Et on est toujours bon. On a toujours plein de dés. Et il n'a plus que 14 points, donc ce coup-ci, on peut le finir. 4, 6. Et j'ai les deux pour les doubler. J'ai les deux pour les doubler. Donc on va. J'en ai même trois, j'en ai trop. On va regarder si c'est ça. Non. On va mettre un 3 là. Oui, toujours bien. On va mettre un. On ne sait pas. On sait pas ce que c'est. Stalactite, j'ai combien? Je n'ai qu'un seul 4, mais j'ai les deux pour les doubler. Donc on va prendre la duplication ici. On va prendre du 4. Voilà. On reprend duplication. Voilà. On met un 6. Attention, je manquais de le lancer. On va mettre un Asta. Malédiction? Toujours pas. Donc la malédiction est ici, à peu près sûr. On va donc te donner un 3. Pouf, toujours pas de malédiction. Où est-ce qu'elle est ma malédiction? J'ai pas de malédiction, qu'est-ce que je suis bête. 4, 6, 4, 6. Et voilà, il est battu le Kraken. À l'aise, à l'aise, Blaise. À l'aise, Blaise, disait Pascal. Je peux prendre ma pomme. Puisque lui, c'est le dernier. Ok. Et on va aller chercher quelque chose. Hein. Je ne sais pas ce que c'est. J'espère que je vais avoir le drain de magie. Bien que maintenant, c'est un peu tard. Alors lui, il est un peu chiant parce qu'il a 4 dés. Regardez un petit peu ce qu'il a. Voilà. Donc si je lui mets ses 4 dés à 1, que va-t-il se passer? Ben, il va me mettre un point, 2 points de dégâts, c'est tout. Et il va me geler, et puis il va mettre 2, 1 là, et il va tout me geler. Bon. Il va donc mettre tous mes dés à 1. Maintenant, j'ai un chaudron. Donc, c'est pas très, très important. Du moment que j'ai des trucs pour l'embêter derrière. On a de la duplication. On va commencer avec un 2 pour le pouvoir dupliquer le 2 ou 3. Ok? On va dupliquer quoi? On va dupliquer un. On va dupliquer quoi? C'est pas la peine de dupliquer un 2 puisqu'il va me le redonner, donc ça vaut pas la peine. Mais ça me permet de les doubler le prochain tour. On va plutôt mettre un 3 pour avoir des impairs et se faire du bouclier magique. Bon, une fois qu'il sera à 1, c'est bon, hein. Hein, il me faudra le 4, hein, il va me falloir un 4. Et on va prendre de la duplication, je crois, non? Au prochain tour. C'est le mieux, hein? Ça nous donnera des dés supplémentaires. Donc on va faire ça. On va dupliquer maintenant le 3. Je peux mettre un bouclier magique ici. Et je le repositionne. Donc j'ai 3 de bouclier. Parfait. Je crois que c'était la meilleure chose à faire. Bon, on va se prendre, voilà, tac et tac, ça c'est fait.
fallait s'en douter, hein, les petits gars. On peut dupliquer l'as. On va d'abord en mettre un ici. 3, c'est pas plus mal qu'autre chose. On duplique un dé, le 1. On va mettre notre chaudron ici. Ça, je peux lancer deux fois. Je vais pas mettre des 1 en plus, on va mettre autre chose, bien entendu. Tac. Bien entendu, c'est du 1. Je récupère un 4. Une stalactite. On fera après. Je veux d'abord la sauvegarder. On va vérifier d'abord qu'avec le chaudron, je ne peux pas encore avoir un deuxième 4, ce qui me plairait beaucoup. J'ai un 2, une duplication, c'est superbe. Je mets le 1 ici pour le libérer. J'ai un 5. 4 et 5 que je peux mettre ici. Et on va mettre le 2 en duplication. Ok, on fait comme ça. 4 et je te fais un gel. Voilà. Ok. Bon, ma vie revient à fond, hein, donc c'est pas très grave si je perds un peu de points. Jusque-là, ça va. Mais on a placé on a un petit peu placé nos sorts correctement, je pense. On va mettre un as ici. On va mettre un as ici. Ça fait beaucoup de deux. On va mettre un ici. Enfin, on va récupérer deux ici. Je n'ai plus qu'un seul as. Donc, je suis obligé de mettre le 2 là. Je n'ai pas d'autre choix. Donc, on va faire ceci. J'ai un 5. Parfait. On va placer la duplication ici, ce qui me permet de doubler, enfin j'aurais pu le mettre autre part, mais je peux doubler le 1 comme ça. On duplique le 1. Je peux remettre le chaudron, remettre un as. J'ai un 3. Le 3 c'est ça. 5 c'est l'impair. Le 5 je le garde, je le mets dans tous les cas. Le 3. Plus qu'une utilisation. Je peux rien faire avec mon 3. Bouclier magique, je l'ai déjà. Donc, on va faire un point de dégâts. Et puis, on va lui balancer. Ah, j'ai une élimination. J'ai une illumination. Si je mettais l'illumination, bon, il n'y a plus que 16 points. Il n'a plus que 16 points. Il n'a plus que 16 points. Donc, je vais essayer de le buter le coup prochain quand même. Ce qui ne va pas être évident. Ce qui ne va pas être évident du tout. Je me dis si je mets... Bon, on récupère des vies après. Hein. Donc, je vais quand même mettre l'illumination... Non, pas ici, mais... Attends, je vais récupérer des 1, plein de 1, de toute façon. Je te mets là. Voilà. Ok. Alors, il va me mettre tout des 1, ok. Et il ne peut pas mettre l'eau, donc on est vraiment à l'aise, 32, 36, c'est facile comme tout. On a des 1 tout partout, on a plein de 1. Donc, je vais... Je ne sais pas pourquoi j'ai mis l'illumination. Là, j'aurais dû la mettre là. Puis qu'on voulait un tout à l'heure. Ouais, on va le buter au 1, mec. On va le buter au 1. Tu veux du 1, tu vas en avoir, mec, du 1. Tu veux me mettre du 1, je vais t'en donner, moi, du 1. Tu vas vite comprendre ta douleur. Un 6. Il me sert à rien, mon 6. Il me sert à rien, mon 6. Ah, quel con. Ah, on va se mettre du bouclier quand même. C'est jamais. Et ce coup-ci, je vais le mettre là. On aura du 6 au prochain, comme ça. Allez, roule ma poule. Roule ma poule. Ah, il me fait mal là. 5 et 3. 8 points dans le nez.
8 points dans le nez. Ils sont bien, hein, les joueurs. Moi, je trouve que ce jeu est bien balancé, difficile. C'est gai quand c'est difficile. Tellement de gens sur Steam qui pleurent, oh, le jeu est trop difficile, c'est impossible. Mais quel plaisir quand vous battez un jeu qui est difficile. Et où est le plaisir quand vous battez un jeu qui n'est pas difficile? Voilà, ça s'arrête là, quoi. Chaudron. Ce coup-ci, je vais mettre du 6 dedans. Tu me donnes du 2. C'est bien. J'aime bien le 2. J'aime beaucoup le 2. J'aime beaucoup le 2. Je n'ai pas 13 points. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, D. 9 D. Est-ce que j'ai un 4? Je n'ai pas de 4. Je peux doubler le. Rien du tout qui est intéressant. Puisque je ne travaille qu'avec la stalactite. Donc il me faudrait du 2 sur du 3. C'est ce que nous allons faire. Nous allons prendre un. Mais j'en ai qu'un. Je n'en ai qu'un. Donc on va relancer d'abord ici. Et encore du 1, donc allez hop, hop, donne-moi un 6, j'ai pas besoin de 6, encore du 1, c'est 1 ou 6, hein. Tu vas pas me faire autre chose, hein. Regarde les points diminuent hein, petit à petit quand même, là, hein. Hop, 6 encore, tu vois c'est 1 ou 6, ne pas me donner autre chose, 5, ça y est, j'ai un 5, j'ai un 5, j'ai pas d'autre 4, j'ai pas d'autre 4, aïe, j'ai pas d'autre 4, il m'aurait fallu un autre 4, je n'ai plus de 4. Donc je vais aller rechercher un 4, on va essayer. On va l'avoir, on va l'avoir. Il est mort là, il est fini. Il est fini, il est fini. Le 5, le 6, hop. Ça me redonne un 5. Donc déjà un 5, hop, c'est parti toi. Il reste 2 points, c'est fini, hop. Voilà. You win. J'ai trop envie de boire du vin. Alors... Là, donc on a déjà une améliorée. On est, je sais plus où on en est. On est au bout, je crois. On est au boss. Je crois qu'on est au boss. Améliorer 15 préparés. Améliorer 15 préparés. Améliorer 15 préparés. Je sais plus. Je sais plus où on en est. J'aurais dû regarder. Mais je ne pourrais pas regarder, de toute façon, c'est impossible. C'est ça qui manque un petit peu, on ne peut pas avoir la vue de ce qui se passe, de ce qu'il y avait avant. On oublie vite. Je crois que j'en ai qu'un d'amélioré. Je vais en prendre un deuxième. Et j'ai qu'une seule case préparée, je crois. Ouais, j'ai qu'une case préparée. J'ai déjà une améliorée, donc je vais prendre deuxième améliorée. Où est-ce que j'en suis? Je ne sais pas. J'avais déjà une améliorée, c'était juste, ok, 2, mais je pense pas que j'aurai autre chose. On est à l'étage 4, il y a encore un étage, hein. Il y a encore un étage. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On n'a rien, je crois. Si, on a le Misa, mais bien sûr, on a le Misa, j'achète le Misa, merci. Alors, le Misa, il va remplacer la stalactite. Parfait. Oui, maintenant, mais il me faudra 2 dés. Et il ne donne qu'un seul dé là, mais s'il est en amélioré, à ce moment-là, il va me donner 2 dés. Il va abîmer 2 dés. Voilà, le grimoire, bizarre, amélioration. Donc si je le place sur la troisième ou quatrième case, il me permet de geler 2 dés. Et je peux mettre 2-6 là-dedans, moi. Hein. Fait mal 2-6. 12 points de dégâts à chaque coup. Avec mon petit truc qui est là, ma duplication, un tout que j'ai de beau là, et il ne va pas faire long feu ce petit jeu-là. On va le buter! Alors, comment est-ce qu'il me monte mon truc là? J'ai un bidule là. Et ça, c'est le plus méchant, c'est le plus mauvais. Je lui dis, vous remettez chaque fois des 1, mais comme ça ne nous dérange pas les 1. Par contre, j'aurais bien voulu récupérer, à mon avis, le grain de vie doit être là. Donc on va le travailler ici. On va le travailler ici. On garde notre illumination. Ou bien on met la duplication. Non, on va garder l'illumination. Ok. Viens ici. Viens ici, mon petit. Viens fighter, Mister Neigeux. C'est bien joli, hein, tu crains le feu. Si donc si j'ai du feu, au lieu de lui mettre par exemple un point de feu, ben, ça fait 2 points. Ça lui donne 2 points. Donc on a de nouveau que des impairs. Par contre, il n'a pas le double 1. Donc c'est 2-1.
deux petits coups de blizzard. Et on est pépère. On ne prendra que 4 points de dégâts à chaque tour. Il y en aura 4 points de dégelé. Mais comme on a toujours le chaudron, on n'en a rien à se cirer. Bien. Bien, bien, bien. Duplication. 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 Tout de suite. Tout de suite. Duplication. Ok. Parce que là, j'ai pas besoin de le mettre puisque c'est des 6. Je duplique le 6. Illumination. Ok. Est-ce que si j'en ai 4. Pomme. Lanzaras das dados. C'est bien dados, hein. Attention. Nos lanzamos os dados. Donc, je peux lancer. Regardez-moi déjà tous les dés que j'ai. Génial. Et même mon rôle du miroir, là, il est... Ouais, il assure un peu le coup, quoi. Disons. Mais il faut encore que j'ai un 5. Le voilà, le 5. Je l'ai, le 5. Et je duplique. On va dupliquer le 5. Ouais, duplique le 5. On positionne un 5. Ouais, j'ai plein de 6, donc je peux le positionner là. Non ? Ouais, hein. Ou alors je garde ta duplication pour tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? J'ai des 3, j'ai du 3 pour bouclier. J'ai du 4, j'ai pas de 4. Donc je peux pas le blizzarder. Le bouclier, bon. Hop. Bouclier, oui. Bouclier, j'en aurais besoin quand même, mais. Bouclier 3 et 1. Ouais. On le mettra à la fin. On le mettra à la fin. On le mettra à la fin. Donc, j'ai. Est-ce que j'ai mis un 5 ? Deux là. Un 6. Hop. Un 5. Hop, un 6. Alors, qu'est-ce qu'on va te mettre, mon ami ? Qu'est-ce qu'on va... Oh, j'ai un 4, j'ai pas vu que j'avais un 4, mais que je suis bête, je n'ai pas vu que j'avais un 4. Blizzard, que c'est blizzard. Disait la baleine, et elle se cache à l'eau. Non, c'est... Pas c'est bizarre, non, 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 non. J'ai 2, 6 que je peux mettre là. J'ai 2, 3, j'ai un 3 là. J'ai du... j'ai tout ce qu'il faut. J'ai trop. J'ai beaucoup trop. Je vais mettre des 1 partout. Je vais bouffer mes 6 là-dedans pour faire un max de points tout de suite. Mais j'ai un 3 que j'ai besoin aussi. Donc on va utiliser un 3 pour se protéger un minimum. Minimum. Je vais dire que je veux un... Je vais mettre un as quand même là-dedans. Je vais mettre 2, 6 là. Et 3 et 1. Ce qui va nous permettre d'avoir beaucoup de 6 pour le blizzard après. Ok ? Je pourrais remettre aussi un deuxième bouclier. Mais je crois pas, non. On va lui mettre ses 4 dés à 1. Et donc je prendrai qu'un point dans le nez. Ouais, c'est ça. Voilà. Comment ça, deux ? J'en ai fait qu'une fois ? Je croyais que j'avais gelé plus que ça, moi. On verra. De toute façon, c'est 2-6, Bolton. Dommage, d'ailleurs, parce que... Il ne servait à rien. Mais bon, pas grave. Voilà, on a des dés. Alors... Présentement, je veux un jeté d'un père, je veux 2, 6, je veux des 2, je veux des 2 que je positionne ici. J'ai toujours pas de 4, je veux du 6 alors, du 2 avec du 6, ça fait beaucoup de 6. Je veux donc mettre 2, 6 ici. Voilà. On va se mettre 2, 6 dans ce coin-là. Voilà. On va appeler un chaudron. Chaudron. On va lui mettre un... des 6, j'en aurais déjà beaucoup, mais on va quand même en prendre. On va déjà regarder si on ne peut pas avoir un petit 4. Ça m'intéresserait bien, un petit 4. Un petit 4. Non, mais par contre, j'ai un 2 de nouveau que je vais mettre ici. Un 6. Oh, j'aurais dû demander les 2.
J'ai de nouveau un as que je repositionne ici. Un 6, non moins un 4. Bon, ben on va prendre un 2. Si tu ne me donnes pas de 4, je mets un 2. Je veux un 2. Voilà. Ça, j'ai les duplications pour le coup d'après. Et c'est reparti, mon kiki. Les dés, ça. On en a trop. On ne sait plus quoi faire avec. Pendant ce temps-là, il met quelques points quand même. Il va mettre 6 points. Alright. J'ai pas eu encore eu mon drain. Ok. Est-ce que j'ai un 4? J'ai toujours pas de 4. Bon, des 2, ça c'est sûr. On va dupliquer quoi? On va bien utiliser nos as pour essayer de faire un. J'ai un 4. Ça, c'est bien. On va continuer à essayer d'avoir un 4. J'en ai 2. C'est encore mieux. Je peux donc me faire un 4 là. Ça nous donne 1, 2, 3, 4. C'est bien. Ça veut dire 1, 2, 3, blizzard. Yes. Ok. On va continuer à dupliquer. Mais cette fois-ci, on va faire des 6. On va mettre là. Comme ça, je peux mettre 6, 6, 6, 6. Hein? On a de nouveau un 2. Que je repositionne ici. On va essayer de le booter tout de suite. Hein. Boum. Ok. Ça veut dire j'ai quoi? J'ai 1. Donc j'ai 6, 6. J'en ai qu'un. Est-ce que j'ai encore du 2? Je n'ai plus de 2. Par contre, j'ai encore des 1. On va toujours repositionner ici. Et on va utiliser les petits chiffres qu'on n'a pas besoin. 1, 2. Ok, on peut doubler un 6. Vous avez vu le poum poum comme ça tourne? Génial. Le 3. Pourquoi pas le 3, hein? Le 1, comme ça je pourrais le rappeler. Encore un 4, 1, 2, 3, 4, on a tout plein. 1, 2, non, moins un 2. Moins un 2. Moins un petit 2. Qu'est-ce que j'ai là? Un 4. 1, 2, 3, 4. Il reste 19 points. Là je lui en mets 12. Plus 12, ça fait déjà 20. C'est même plus la peine, quoi. C'est même plus la peine, les enfants, c'est fini. C'est fini. Crac. Je te reprends un bizarre. Hop. 6. Et 6. Et voilà. Adieu, monsieur Neigeux. Tu m'aurais quand même mis quelques points. Ah, Flocon. C'est monsieur Flocon. Oui, c'est bien, c'est bien. J'aime beaucoup les réactions de nos adversaires. C'est bien, c'est bien. C'est vraiment bien foutu. Donne-moi un drain. Donne-moi un drain magique. Ah, des nouveaux trucs. Je ne connaissais pas non plus ça. Bon, comme j'ai gagné plusieurs fois avec contre la sorcière, c'est des nouvelles choses qui arrivent. La dague magique, ouais, bon. C'est bien parce qu'elle est réutilisable. Alors, comme ça va très bien d'ailleurs avec l'illumination, puisque j'ai plein de dés. Et en ayant plein de dés, ben, je peux mettre n'importe quel dé là-dedans. Donc je duplique, je duplique, je duplique. Et je fais, si je le mets dans un truc upgradé, je fais 3 ou 4 dégâts à chaque tour. Enfin, à chaque dé. Mais, donc c'est pas mal, c'est pas mal du tout. La lumière ardente, bon, ben, si je mets un minimum de 4, je fais 4 points de dégâts et je brûle un dé. Et quand tu brûles un dé, ça donne 2 points de dégâts à l'autre si je veux l'utiliser. Donc, il freine sur l'utilisation, normalement. Bah, ouais, c'est bien, mais... On peut voir après. On va déjà continuer un petit peu. Malheureusement, il y a rien d'autre à gagner, quoi. Il n'y a rien d'autre à gagner. Bon, niveau 5, il faut que je les bute tous. Donc, on peut aller chercher une pomme. J'ai pas de pomme. Lui, vous allez voir, c'est... Les deux doigts dans le nez... Il n'y a même pas besoin de se poser de questions. Je crois qu'il me faut absolument un blizzard pour lui. Mais je ne vais pas le mettre là, le blizzard, comme d'habitude, de toute façon. On va laisser ça comme ça. C'est bien, on va pas avoir de problème, je crois. Ça devrait bien se passer. Voilà, la gargouille. 2D. Ben, vous lui foutez 2 as, quoi. Alors, il va me verrouiller 2. Il va me verrouiller 1 dé à chaque fois. Non, en plus, il peut la jouer qu'une fois. Non, il peut jouer 2 fois. Non, il va me verrouiller 2 dés, mais il ne peut rien faire d'autre. Si vous ne le refroidissez pas, je ne l'ai pas cédé,
À ce moment-là, il va rentrer là-dedans, il va voir quelque chose. Et puis, il pourra relancer le dé avec une valeur inférieure. Donc, admettons qu'il fasse un 6, mais il peut récupérer un 5 qu'il pourra mettre là. Puis, il récupérera un 4 qu'il pourra mettre là. Et puis, dégager comme ça tout son ensemble de jeu. Donc, moi, ce que je veux, c'est ça. C'est le. On a un 4. Donc, on est pépère, on est sûr de notre coup. On a un boucle magique, on s'en fout totalement, on n'en aura pas le besoin. On va lancer un 4 qu'on positionne ici. Voilà. Et je n'ai pas le choix, je dois faire ceci. Paume. Il va me bloquer 2 dés, j'en aurai plus qu'un. Ah. C'est. Ah, oui, ça, j'ai oublié, tiens, ça. J'ai oublié ça, j'ai oublié ça. J'ai oublié ça, ça gêne un petit peu. Parce que là, j'ai 2 dés de bloqué. Par contre, je vais obtenir. Donc, je ne peux pas le bloquer là. Je vais devoir le laisser jouer un tour. Donc, on va faire ça. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Avant de le prendre, j'aurais dû penser à monter ma boule de cristal. Donc, qu'est-ce qu'il a fait là? Je n'ai pas fait attention en plus. Bon, maintenant, on a tout ce qu'il faut comme dé. C'est bon. C'est tout à fait bon. Si je mets. Une 6, non, je l'aurais pas. Donc, on va dupliquer. Duplication. Duplication ici. 6. Merci. J'obtiendrai 2 6 le tour prochain. Je me mets 2 6 ici. Et je me mets un chaudron là-bas. Hop! Notre bidule est sortie. Comme j'ai de l'illumination, j'ai des dés en suffisance. Je duplique un quoi? Je vais pas dupliquer un 2, ça sert à rien. Je vais dupliquer un 5. Je vais dupliquer un 5. Ok. Je vais mettre, donne-moi un petit 2, donne-moi des 2. Le prochain tour. Donne-moi un beau petit 6 que je vais me faire un plaisir de déposer. Là, je vais avoir de la duplication. De toute façon, je pourrais la mettre au-dessus. Donc, je vais me refaire un beau double là-bas après. On va d'abord lui mettre ces deux petits 5 dans le nez. Mais regardez à quelle vitesse il va. Hein. Donc, ça ne gêne pas trop, quoi. Ça ne gêne pas trop. L'illumination, c'est un plaisir, je vous dis moi. 6 et 5, j'ai un 2 pour faire du double. C'est ça que je dois faire. Donc on peut prendre n'importe quoi. N'importe quoi. On peut prendre n'importe quoi. À part le 2, on va faire ça. On a un 3, on positionne un 2 ici, on remet un 6. Oui, et on va prendre un double 6 pour après, pour le tour prochain, pardon. Hop, et hop. Et bon, bah, il reste plus que 7 en plus, je suis pas d'un peu trop là. Mais bon, c'est pas mal. Comme vous voyez, on survole le jeu actuellement. On le survole totalement. Bah, il n'y a plus rien à foutre, quoi. De toute façon, c'est fait là. Et voilà. Au revoir, monsieur. XP plus 5, c'est bien. Alors, il nous en reste plus que 2 à bouffer. On peut aller chercher la pomme dans tous les cas. Et ça, c'est vicieux, parce que vos 2 pommes, là, vous ne pouvez pas les avoir. Elles servent à rien. Parce qu'il faut que je bute les 2 et j'ai récupéré ma vie complète de toute façon. Et donc, c'est un peu vicieux. Bon, bah c'est du RND, hein, du RNG. RND, oui, du randomize, RND, ça marche aussi. RND, c'est plus le terme, pas RNG. RNG, ça serait plutôt RNG. Donc, on prend les 32 points. Dans le pire des cas, si j'ai vraiment un problème, je peux aller récupérer des points ici. Alors, la lumière ardente, la dague magique, est-ce que j'aurais besoin de ce truc? Un peu. T'as vu que finalement, le hall des miroirs, j'utilise plus trop, hein. Ouais, le bouclier magique, je l'utilise encore un petit peu.
du Picasso que j'utilise, le chaudron aussi. Non, on reste comme ça. On reste comme ça. On reste comme ça. Allez, bonjour Aurore. Je crois que normalement, il y a des gens qui n'aiment pas trop te rencontrer. Moi, ça va. Moi, ça va. T'as 3D. Et donc, il faut des 5. Qu'est-ce que ça fait? Donc, si tu me fais 5, tu me verrouilles un dé. Mais après, la carte disparaît. Même chose là, même chose là. Mais en plus, il y a un des 4 points, j'ai oublié. Mais une fois que tu as vidé les 3 cartes là, tu vas vider ceci. Tu vas te restaurer 3 points. Et tu changes la météo. Ce qui veut dire, au lieu d'avoir 3, on va avoir 3 nouvelles cartes là. D'autres choses, je ne sais pas quoi. Mais donc, on va de nouveau essayer de lui foutre du blizzard. Malheureusement, on n'a pas de blizzard dès le début. Donc, on va faire de l'élimination. Hein. On va commencer par un 3 qu'on positionne ici. Un as ici. Et 2, 6 pour le coup prochain. Allez, roule. Un as 6, c'est pas mal. Voilà, elle me verrouille un dé. Le premier dé qu'elle verrouille toujours, voilà, mon premier 6. Mais on a tout ce qu'il nous faut. Et on a un 4. On a un 4, mes enfants. On a un petit blizzard. Alright. C'est assez, dit la baleine, et elle se cache à l'eau. On va prendre un 6. Le bouclier, je m'en fous. Et je vais te mettre un 6 et un 5. Je te bloque 2 dés. Ça va te faire du bien. Ça va t'empêcher un petit peu de. Tu vas prendre qu'un seul bidule au lieu de m'en prendre deux. Bien, bien, bien. Alors. On a un 3. C'est fait. On a un 5. C'est peut-être pas mal d'utiliser un 5 une fois de temps en temps. Parce que j'utilise ça. Bon, le 6, on va le reprendre. Ah, j'aurais pu mettre l'illumination là, mettre 2, 3. Parce que je suis un petit peu court quand même. Je suis tout petit peu court. Je suis un tout petit peu court. Mais ça va, quoi. Allez, 5, 3 et le 3. Allez, roule. De toute façon, ça va vite, hein. Avec la stalactite, vous mettez 2 dés à chaque coup dedans. Ok. 2, 6, 12. As, as. Si on te mettait un petit chaudron, là, juste pour voir un petit peu ce qu'on peut faire avec toi. Donne-moi un petit 6. Non, donne-moi un 4, tu me donnes. J'ai jamais que 3D. Qu'est-ce qu'elle a après? On ne sait pas ce qu'elle a après. Elle va peut-être plus verrouiller après. On ne sait pas ce que ça va donner. Bon. Normalement, elle ne me mettra pas de points. Elle va se restaurer 3 PV. Et puis, elle va avoir. Elle aura des cartes après. Ici, elle a un ou deux. Elle n'a pas assez. Elle va peut-être pas pouvoir me faire grand-chose. Elle va peut-être pas pouvoir me faire grand-chose. Donc moi je mettrais bien un 4 là. Je lui laisse tomber son truc. Eh bien écoutez, ce qu'on va faire, on va. Au des miroirs, ça n'en vaut plus la peine du tout. Je remettrai un deuxième blizzard là. Ah, on va remettre un blizzard ici. Tac. Et on va. J'aurais pas dû remettre un blizzard là. Parce que j'ai que 3D si je fais ça. Très très mal joué. Bon, c'est pas grave. Lancer le dé. Voilà. Alors, comment ça marche? Tu me fous un 5 dans le nez, tu me brûles un dé et tu me mets plein de dégâts. Ok, c'est bon, ça va. Ça va, ça va, ça va. 6 et 4, 10, 3 et 5, 18. Je te mets 18 points, c'est pas assez. Qu'est-ce que tu as?
4 dés, brûle un dé, une fois par combat. 4 et 5. Si je te gèle tes 4 dés, si je te gèle tes 4 dés, tes 3 dés, tu verses 3 points là. Tu peux faire 3 points. Donc tu me fais pas mal. Tu me ferais pas mal. Donc, si je me mets du bouclier, ça me permet de ne pas me brûler. Et de jouer comme ça. Voilà, t'as plus que 3 points. C'est fini. Voilà, c'est bon. 2 et 3. Et c'est tout. Peut-être quand même que je... Ouais, non, enfin, j'aurais pu cliquer deux fois, c'était bon aussi. Alright, you win à l'aise, Blaise. Comme d'habitude. Très... Alors lui, c'est facile, facile, de chez facile. Du moment que vous avez le blizzard, pas le blizzard, du froid, quoi, il est fini. Il est fini. Et on récupère toute notre vie après. Malheureusement, on ne peut pas la récupérer avant. J'ai 22 sur 40. Le seul moyen que je puisse mourir. Bon, j'ai 8 points. Alors, ce qu'on va faire, on va quand même, on ne sait jamais si jamais j'avais jamais de 4. On va aller acheter ça. Voilà. Comme ça, on est beaucoup plus pépère. Parce que là, c'est rare quand même, un truc pareil. C'est un peu vicieux, je trouve. C'est un petit peu vicieux. Bon, il a 50 points. Comme vous voyez. Et qu'est-ce qu'il peut me faire? Il peut, en tout et pour tout, jouer soit un 2 là, il a 3 dés, et 2 dés ici. Donc si je refroidis, c'est des 1 plus 1, 2 points de dégâts. Allez, au revoir. J'ai pas de... Effectivement, je n'ai de nouveau pas de 4, mais j'ai... là, je peux l'utiliser, puisque dans tous les cas, je vais toujours récupérer des points jusqu'au moment où je mette le bouclier magique pour l'arrêter. Si j'ai envie de l'arrêter. Et j'ai un 4. J'ai un 4. J'ai un 4 que je pose ici. Je bloque 2 dés. Mais qu'est-ce que je veux récupérer après comme dés? J'ai une duplication d'abord. Ah, j'aurais d'abord dû faire la duplication avant de mettre mon 4. J'aurais pu dupliquer mon 4 de cette manière-là. C'est dommage, c'est idiot, mais c'est comme ça. Je vais me dupliquer mes 6 pour avoir un max de dés tout de suite. Donc, paf. 6, s'il vous plaît. Merci. Je veux 2, 6 le tour d'après ou je veux dupliquer à nouveau? Bonne question. Paume. Bon. Là, j'ai 2, 6. Je peux maintenant me mettre une élimination et doubler ceci. Élimination, boum, je double mon 6, je double mon 6. On va assurer le coup maintenant. 1 et 2. Boum. Tout des as. C'est tout à fait normal. J'ai du 2. J'ai mis trop vite. C'est pas grave, de toute façon, non, j'ai pas mis vraiment trop vite, c'est pas grave. Puisque, voilà. Ok, 6 et 6. 6. 6 et 6. 6. Ici. Et 6. Poum, vous avez vu là? Il peut plus rien. Vous avez vu le truc là, regardez les 10 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dés sans avoir utilisé le miroir, quoi. 11 dés sans avoir utilisé le miroir. Bon, 6, 6, 12 pas dans ton nez, mon petit. On va de nouveau dupliquer. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Paf. On duplique. On duplique.
On va dupliquer des as, tiens, ça va nous changer un peu. Attends, on va d'abord encore faire un petit double ici, un double 6. Voilà, 1, 2. Ensuite, je vais faire un petit chaudron, tiens, pour changer. Ça va nous la changer, celle-là. Touc. Je mets un 6 dedans. J'ai un 5. On va dupliquer un 5. On va récupérer un 5. Alors, le 5, c'est le miroir, mais bon, j'en ai rien à cirer de récupérer les miroirs. Le 6. Donc, je mets un 6 là, dans tous les cas. Boum. Je peux récupérer 2, 5, ou je peux récupérer des 4. Si j'ai un 4, j'ai pas de 4. Mais oui, on va récupérer des 5 et on va rien faire du tout. Voilà, on va lancer. Et monsieur squelette, à peu près fini. Oh, il me maudit. Il va me maudire. Bon, ben, j'espère qu'il ne me dit pas mon 4. Bien que 3, 6, 9, 10, 11, 12. Donc j'ai combien? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai qu'à lancer les dés et c'est fini. Mais oui, t'as pas voulu me maudire. Tu veux me maudire là peut-être? Tu veux pas me maudire non plus. Là? Ah, là, je suis maudit. Voilà. Eh bien, un 6 et un 6. Et puis, voilà. Quand vous connaissez. Donc, comme je disais, le seul moyen de gagner avec la sorcière, en tout cas le moyen le plus simple, c'est d'abord de voir ce que votre adversaire a dans sa main. Et cette fois-ci, on va mettre une case préparée, ou encore une améliorée. On va mettre une case préparée. Alors, on n'a pas besoin de récupérer de bouffe. Là, on n'a rien à foutre non plus. Et qu'est-ce qu'on peut se mettre? Le chaudron, non. On va se mettre pour assurer le coup. Donc j'ai 3D. J'ai 3D. On va se mettre une duplication. Hein? Duplique. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, la sorcière contre Audrey. Audrey. Monsieur Muscle. Monsieur Suite. Allez, qu'est-ce que tu me racontes, monsieur Suite? T'es là, tu dis rien. Tu dis rien. Allez, roule. Qu'est-ce que tu me racontes? Alors. Et vous, il faut croire en vous. Excellent, excellent. Peut-être pas aujourd'hui, parce que je m'en mets le paquet, mais un jour vous y arriverez. Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Magnifique, magnifique. Regarde-moi ça, j'ai un 6. Hop, je duplique le 6. Alors, j'ai un 2 et j'ai un 3. Alors, j'ai un 2 qu'on va positionner ici. Ce qui me permet de doubler. Bon, lui, au fait, qu'est-ce qu'il fait, lui? Des paires, il peut jouer deux fois un paire, deux fois du paire, et puis après, il va jouer 10 points pour me foutre. 6 dégâts et 3 équipements qui vont être abîmés. Bon. Alors, j'ai 44 points. Je suis à l'aise. Il ne peut pas me mettre des tonnes de points. Hein. Il peut me mettre 12 quand même et 10. Oui, il peut me mettre 12 et 10. Il pourrait me mettre 22 points dans le nez quand même en une fois. La moitié de mon score, quoi. Ça ne serait pas gentil de sa part, ça. Bon, on va quand même. On va mettre de l'illumination là, donc j'aurai besoin un 6, donc il me faut un 6 en plus. Voilà. On va te laisser taper ton coup, mec. Comme ça, nous, on est pépère aussi. Hein. Alors, un 6, ici, et un double 6, ici. Et donne-moi un 3, le coup prochain. Voilà. On regarde ce qu'il nous fait. Pas mal. Ça va. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Quand même, quand même. Il m'a mis 8 points et il m'a affaibli.
des cases. Les humiliations, ils n'acceptent que les trois. Me dérange pas. Ils n'acceptent que les trois. Ben, un 3 et un 3, c'est bien. Là, il me duplique un 6. Ça ne me dérange pas. Et là, il me duplique n'importe quoi. Au minimum de trucs. Ok. Est-ce que j'ai du 4? J'ai un 4. J'ai besoin de 4 pour mettre du blizzard. Puisqu'il a 4 dés, on va lui faire comprendre que il ne va plus avoir que des as. Donc il pourra jouer plus que ça. 4 points à la fois, par tour. Bien! Bien, 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 bien. Un 4. Donc je vais. Hop, 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 hop. Je vais mettre un 6 là pour le dupliquer. Autant l'utiliser. On va utiliser un 2. Qu'on remet là. Puisque j'ai pas besoin d'être inférieur à 4. Par contre, je veux encore un 4. Hop. Là, c'est tout plein des 4 que j'ai. Je vais finir à une vitesse. Attends, comment vais-je faire? Est-ce que tu peux me mettre des points? Tu ne pourras pas me mettre de points. Tu ne pourras pas me mettre de points. Donc là, un max 3 qui m'a dit. Hein. Un max 3, ben on va te mettre du 3 et du 3. Voilà. 3 et du 3. J'ai besoin de. J'ai quoi? J'ai des 4, j'ai As et j'ai des 6. On va se mettre un petit As. Parce que. C'est comme ça. On va se mettre un petit As. Il me faudra des. Donc je vais lui mettre 12, 24 points par tour. 24 points par tour. 24 points par tour. Tiens, mets ça là. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça là. C'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il me faut un 6 ici. Je veux un 6 là. Je reveux. Alors, là, donc, ça va me faire 2, 6. Ça, celui-là, il est fait. Il m'en faudrait une deuxième fois. Mais après, je n'ai plus, j'ai tout ça. Remets-moi 2, 6. Voilà, ok. Ensuite, j'ai besoin d'un 4. Un 6 et 4. Que fait le fou, moi? Ah, bon, on peut utiliser de toute façon ça. Ça ne dérange pas. Donc un 3 qu'on va positionner là, un As qu'on remet ici, encore un As. Donc j'ai besoin maintenant d'un 4 ici et d'un 4 ici. Comme j'ai mis 2 fois 6, je vais avoir chaque fois des 6 ici. 6 ici. Oui. Oui, 6 ici. J'aurais quand même... Ce serait pas plus mal. Non. Bon, de toute façon, ça devrait aller. 6. 2. 4. 4. Comment j'ai compté? Il me faudrait quand même un petit 5 pour pouvoir... Note que j'ai la duplication aussi, hein, quand même. J'ai de la duplication. Ouais, bah, je suis pas obligé de mettre des 6 non plus là-dedans. Hein. Enfin bon, on va en mettre un là, un là. Ouais, donc ça m'en fait 4 de toute façon. Il m'en faut chaque fois 2. On va mettre des. Comment je vais faire? Ok, on va plutôt faire comme ça. Là. On va allonger le coup ici. On lui met un double 6 de nouveau. Voilà. Là, je lui mets du 3. Et je me fais gourer. Non, il a 4, c'est juste. Il a 4, c'est bon. J'aurais pu doubler un. Voilà. Parfait.
Donc 1, 2, 3, 4, je n'ai pas d'autres 4. Donc je te mets 24 points, donc on va récupérer les 6. Alors voilà. 6, 6, 6. Et on peut encore en rajouter un petit 6 en plus là-bas. Et le reste, ouais, bon, on va pas s'embêter, hein, voilà. Et c'est fini. C'est fini. Ah, c'est bien, c'est bien. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'avais pas que je l'ai 4D. Ah, je t'avais gelé 4D, mais t'es arrivé au bout. D'accord. C'est pas grave. C'est pas trop grave. 15 points. 15 points. 15 points, 15 points. 15 points. 15 points. 3 et 2, 5. J'ai un 2. J'ai un 2, j'ai un 2, j'ai un 2, j'ai un 2. Donc, et j'ai un 4. Donc, on va... non. On va te mettre un 2 ici. Relancer un 4. Voilà. On va te donner un 4 ici. Et un 4 ici. Et je peux utiliser mes 6. Et voilà, Audrey. Eh bien, j'espère que cette petite partie vous a plu et vous a montré que c'est tout à fait possible de gagner avec la sorcière. Par contre, arriver à gagner, à faire tourner la roulette, c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose. Bien. Bon, vous avez vu, l'illumination, c'est génial. Donc, le doublage, doublé également son dé, c'est génial. J'ai plus jamais utilisé, finalement, le miroir à la fin, là. Il n'y avait vraiment pas trop le besoin. Bien étudier comme qui vous jouez, et puis ça s'arrête là, quoi.